Allez. Là, je te la mets là, mon petit Jack. Allez. Allez, on va pêcher, mon petit Jack, allez. Et on va pêcher avec son petit papa. Allez, t'es prêt? Tu me dis si ça va pas. T'inquiète, papa est là. T'aimes bien la neige? Je pourrais t'y emmener, si tu veux. Ben jamais. C'est ici notre camp pour l'instant. Et pourquoi ça? Pourquoi tu veux retourner à Blackwater? Bon, d'abord on va pêcher, on parlera de ça plus tard, hein. On verra ça avec maman. Allez, on y va. Allez, prends ta petite canne à pêche, on va s'amuser. Allez, suis-moi. Ok. D'abord, il faut un appât. Ok. Voilà. Maintenant, tu te tiens fermement à la canne à pêche, ok? Et là, tu fonces. Et ça tend. Quand tu sens quelque chose, tu le retires. Bon, si ça remue beaucoup, tire fort pour le ferrer, ok? Là, attends, j'en ai un. Attention. Attends. Je galère avec ma canne à pêche. Attends. Ok. Ah, je galère. Ah, putain. Oh putain, mais c'est dur. T'inquiète, même papa il galère. Ah, c'est très galère. Ah, c'est très galère. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Allez. Ok, il est bientôt là. Regarde-le. Regarde. Il est bientôt là. Je le ramène. Voilà.
T'as vu? C'est un carpe harlequin. Allez, je le garde celui-là. Tu vois? C'est cool, hein? C'est cool de faire des trucs avec papa. Hein? Allez. Je remets un appât. Et là, on refait pareil. Olé. Et maintenant, on attend. Ok. Ok, je l'ai. J'ai un poisson. Allez. Hop. Allez, encore un. Ah, c'est un autre. Bon, celui-là, je vais le remettre à l'eau. Allez. T'es parti où, Jack? Ah, t'es là. T'arrêtes de jouer? C'est vrai qu'on s'ennuie. T'as de la chance, mais en attendant, tu dois t'asseoir et pas t'inquiéter. C'est bon pour toi. Ouais. Oh, un collier. Je vois. Je parlerai à maman. Ouais. Qui êtes-vous? Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac silver tongue and matures into a... Bon, laissez-moi, je suis avec mon enfant. Il est jeune. Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Oui. $5,000 pour moi. Je peux me livrer moi-même. Je veux Dutch. Je l'ai pas vu depuis des mois. C'est pas un peu... dépasser nos jours. Bon, écoutez, laissez-moi. Je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement refusé de jouer selon vos règles. Ma calendar. On va tous mourir un jour, agent. Au revoir. T'occupe pas d'eux. T'en fais pas, cette personne. Viens, on ramasse tes affaires et on rentre. Tu as donné ton collier à maman. Ouais, maman va s'inquiéter, après elle va me gronder dessus. Allez. Allez, viens.
Oh les. On y va. C'est des types mauvais qui pourraient lui faire du mal. Non, je crois pas. J'espère qu'il va bien là où il est. Je l'ai dit, t'inquiète pas pour ça. Le monde est rempli de gens mauvais, c'est pour ça qu'on est tous là pour te protéger. Au fait, le collier que t'as fabriqué, tu l'as toujours? Eh bien, ça t'a plu la pêche? C'est vrai. T'aimes pas toi tant de temps, hein? Il est là. Pas besoin, on a passé du bon temps. Rien. On a croisé des gens, je dors par la douche. C'est bien débrouillé, petit. On a un problème. Il y avait deux types près de la rivière. Le premier s'appelait Milton et l'autre... c'est quoi son nom de genre Ross... Milton et Ross. Et donc, ils travaillent pour l'agence des détectives Perkington. Ils savent pour le train et ils savent pour tout. Non. Ils savent juste qu'on est dans le coin. Et toi, ils... C'est toi qu'ils veulent, Dutch. Ils m'ont offert la liberté en échange de ta tête. Très drôle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? T'as la réponse à ça? Bon. Ça va bien. Ouais, ça sera plus jamais calme ici. Bon, je devrais m'en aller. Faudrait peut-être que je change un petit peu de tenue. Ouais, en fait, je vais garder la mienne. Ouais, faut quand même que je la nettoie. Un chapeau, c'est bon. Manteau. Voilà.
Gilet. Bah, je vais garder le mien. Bon, non, je vais peut-être en mettre un autre en vrai. Voilà. Une petite chemise. Non, pas de chemise. Pantalon. Bon, pantalon. Celui-là. Et des bretelles. Je pense pas que j'en ai besoin. Oh là, les vêtements ils sont un petit peu plus propres comme ça. Ah oui, merde, j'ai oublié de mettre mes gants. Oula. Les gants, c'est bon. Allez. Là, je pense qu'on est bien. Bon, par contre, j'ai entendu des personnes se battre, un petit peu. C'est vous deux. Alors, je regrette d'être tombé sur dans cette bande. Ils sont pas mauvais. L'oncle est en train de boire et le ciel est bleu. La pause est finie. Mary Beth. Tiens le coup, on se remettra vite sur pied. Je sais pas qu'on ait de mauvaises passes. Bon. Non, non, non. Comment ça va? Fais attention à toi quand même, hein. Bah alors, tu fais quoi? Salut, Javier. Quel genre? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? The soldiers boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers apparently. They're well hidden in the woods. Okay. Ça m'a l'air douteux quand même. Dans ce cas, allons voir ça. On va juste aller voir. Allez, viens. Quand on part de Valentine, j'espère qu'on va pas devoir partir de Valentine parce que j'ai fait des coups quand même là-bas et on va dire que c'était pas Jojo. Moi, je te suis entièrement. Je sais pas où c'est, moi. Allez, c'est parti!
C'est quand même assez loin. Hein. Je lâche mes armes. Ah bon? Tu me le vends vraiment bien ce boulot, tu sais. Alors, c'est là-bas. Fais-moi voir ça. Il y a une grosse grange. Bon. Espérons que ça les empêche de nous voir. Ouais, pour le moment. En tout cas, j'ai vu un cheval, donc ils doivent être là. Et j'en suis pas sûr. Pour des armes, on sait jamais. Ok, ils sont là. Oh là. Il a l'air d'avoir une grande embrouille. Presque pas, je comprends rien. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Ok, attends. C'est bon, c'est bon. Oh la merde. Ok, c'est bon. Je suis caché. Oh merde! Hey, je suis la bande de cons! Ok. Tiens. Oh putain! Thank you.
Ok, c'est bon, j'en ai une en haut. Oh putain! Aïe! Ok, c'est bon, lui il est mort. Je prends un petit peu tout ce qu'il y a. Nickel. Des légumes, c'est bon, j'en ai. M'en fous. Une pince à billets. Nickel. Je vais la prendre. Je me dépêche, je me dépêche. Ok, c'est bon, j'arrive. Ok, moi ils me connaissent pas, moi. What? Oula. Oh lui, on peut dire que je l'ai bien explosé. Dans les deux sens du terme. Oh là là. Ok. Ok. Où peut-elle bien être? Là? Non? Où ça? Ah oui, là-dessous, ouais. Attends, je t'aide. Allez. Pousse, allez. Oh putain, c'est bon. C'est là. Oh putain, regarde ce qu'on a là. Oh, oh loulou, loulou. Ouais, tiens. Prends-en une. J'en prends une. C'est pour nous. Je trouverai un encore. Oh là là. Yes. Ok. Nickel. Bon, j'en ai pris deux. Voilà. On en est reparti avec du pognon là. $175. Putain. C'était un bon coup ça. Bon, allez. On se retrouve au camp. Ouais, je vais pas tous les fouiller. Bon. Je sais pas où est mon cheval. Ah, elle est là. Allez, on va essayer de trouver un endroit pour se faire un petit feu de camp. Allez. Bon, on va s'en faire un petit là. Allez, parce que je commence sérieusement à être fatigué. Bon, je sais pas combien de temps je vais dormir, mais en tout cas, je vais jusqu'à ce soir. Allez. Oh.